Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Info. Aujourd'hui, on va parler de célébrités, de politique, de sport, bref, de l'actualité. On commence par le premier titre, donc ça, c'est du sport. On va aller rencontrer Antoine Griezmann, voilà, donc à l'équipe de France. Donc voilà. C'est un reportage signé je ne sais pas qui, je ne sais pas, je m'en fous. Et vous aussi, ça vous intéresse pas, tout le monde s'en fout. Pourquoi les journalistes, ils le disent, mais on s'en fout. Calme-toi, Jean-Paul, calme-toi. Bref, passons au premier titre, Antoine Griezmann. Bonjour tous, moi c'est Antoine Griezmann, et oh, fous-moi le paix là! Bon, j'ai bien changé, mais aussi j'ai été en vacances dans le nord de la France. Et puis j'ai rencontré des personnes. Et puis je te jure, là-bas, on mange bien là-bas. Ouais, on mange bien là-bas. Hein. C'est bon, c'est bien gras. Moi, c'est. Regardez, j'ai bien grossi. Hein. Mon entraîneur est pas très content. En parlant de son entraîneur, ça se dit ça, rencontrons. Bref, vous n'allez pas me saouler. Rencontrons, voilà, Didier Desbois. C'est parti, rencontrons Didier Desbois. Mais c'est pas Robin. Tu t'es trompé. Jean-Paul, tu t'es trompé. Oui, bah c'est bon, vous allez pas me saouler. J'ai le droit de lui donner le nom que je veux, hein, c'est bon. Bon, bah Didier Deschamps ou Didier de la Ville, je sais pas moi. Aussi, hein, c'est bon, il s'appelle Deschamps, il vit même pas à la campagne, c'est bon. Bonjour. Alors, je m'appelle Didier Deschamps. Vous me connaissez. Je me suis fait opérer des dingues. Oui, je me suis fait opérer des dingues. Donc, du coup, bah, maintenant, je parle un peu mieux, comme vous le marquez. Mais je voulais. Voilà, oui, on est là. Je suis un peu. Griezmann. Griezmann était. Très. Très mal poli. Parle très meling, parfois il est un peu assoleng, et un peu méchengue, moi j'en ai mergue, je vais aller me faire un petit barbecue, au revoir, je sais même pas ce que je fous sur ce plateau, hein. Au revoir. Et surtout, n'achetez pas la saucisse de Inter, stop, 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 ne dites surtout pas la marque, hein. On n'est pas payé pour, alors taisez-vous. Hey, Chantal, Chantal! Oui, Jean-Paul. Je veux plus tourner ici, j'aime pas le bleu, c'est moche le bleu. Regarde-moi ce décor, bleu, non, mais moi j'aime pas le bleu. Tu comprends ça, j'aime pas le bleu. Ah non, mais t'inquiète pas, la cantine c'est du camembert. Mais tu me prends pour un idiot ou quoi? Je dis que j'aime pas la couleur bleue et le fond, il est quelle couleur? Il est bleu. Ouais, bah la caméra est en gris donc. Mais on s'en fout de la caméra, moi j'ai mal aux yeux quand je viens ici. Bah on déménage. Sérieux? Oui. Bon, on y va. Mais si t'aimes pas le bleu, pourquoi ce matin t'as dit que t'aimais bien ma veste? Pourquoi tu veux absolument des papiers bleus? Pourquoi tu veux absolument ta table bleue? Hein? Dis-le-moi, hein? Dis-le-moi, hein? Bon, on va déménager. Allez, c'est parti! Donc, messieurs, dames, le fond derrière est d'une autre couleur, puisque je n'aime pas le bleu. Donnez-moi des feuilles rouges, parce que sinon, ils vont dire, ouais, il est débile, lui. Dépêchez-vous! Et sinon, on va partir sur le deuxième titre. En fait, c'est le mec, c'est comme ça que disent les jeunes. Mais pour les aristocrates qui nous regardent, on va dire le conjoint d'une chanteuse qui s'appelle Aya Nananana. Mais non, mais tu t'es trompé. Oui, bah je sais pas le dire. Alors moi je dis Aya Nananana et puis voilà. C'est Aya, répète après moi. Aya, Aya, Naka, Moura. Moura. Très bien. Allez, reprends. Alors, c'est le conjoint de Aya Nakamura, une rappeuse, ouais, bon, rappeuse, pas très top. Sinon, voilà, son conjoint l'a enregistré sa voix quand, en fait, quand elle chante sous la douche.
on regarde cet extrait. Voilà, voilà. Alors, bonjour à tous. Je parle pas trop fort parce qu'il y a, Aya qui est dans sa douche. Mais en fait, elle chante trop mal. Vous voyez, au concert et tout, il y a l'autotune. Bah là, dans sa douche, il n'y a pas l'autotune. Bon, déjà, elle prend sa douche en maillot de bain. Bon, elle n'allait pas lui demander pourquoi. Mais écoutez comment elle chante. J'offre ma maison à tous ceux qui m'offrent des bouchons d'oreilles, s'il vous plaît. Et voilà, c'était Aya Nakamura. Bon, bref, on va passer à l'actu suivante. C'est un tweet des... Non, non, c'est pas un tweet. Comment on appelle ça? Non, mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un, par exemple, sur Facebook... Non, mais je peux pas te faire l'ignore le mot... Enfin, tu sais, what? Enfin, tu sais que tu te parles en vidéo, là. Ah, un chat vidéo. Eh ben, un chat vidéo du... de Macron, donc le président de la République. Il l'envoie à... Et en fait, il c'était avec sa femme, Brigitte. Voilà, on va mettre les deux côtés. Donc, Brigitte et Macron d'un côté. Voilà, on regarde. Manu! Manu! J'ai perdu mes lunettes! Et ma... Brigitte! C'est pas ma faute si tu les as perdues! Si, t'arrêtes pas d'y toucher! Attends, j'en ai marre! Et j'ai aussi perdu mon livre de mots croisés! Arrête, mais ma chérie! T'as dit quoi? Manu, répète! Oh là là, tu vieillis, hein! Enfin, tu changes, dis donc, tu perds la boule! Manu, il y a un bug sur le portable! Manu, ça m'a... Maman! 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 Oh, crotte, je me trompe toujours! Et le dernier titre de l'actualité, en fait on va aller voir Secret de vie, c'est une série qui se déroule sur Playmobil en rose et bleu. Hein, vous ne connaissez pas cette chaîne, abonnez-vous, hein, tout le monde ne connaît pas, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Et en fait on a été voir le tournage et voilà. Ceux qui sont les personnes fragiles, s'abstenir, ne regardez pas cette chaîne qui est interdite aux moins de 10 ans. Voilà. Allez, sale esclave! Allez, 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 dégage là, sale esclave! Tu crois que t'auras ta peine, hein, mais tu te crois où là? Ah ah, vous y aviez cru! Vous croyez que c'était Monsieur Voirier de la Hoche! Avec l'acteur qui est dans Secret de vie! Eh ben, vous vous êtes trompé! Enfin, quoique. Peut-être. Peut-être que c'est lui. Peut-être pas. Peut-être. Peut-être pas. Le mystère ne sera jamais résolu.